Donc voilà le petit palmaton qu'on a travaillé à l'atelier qui a été rempoté. Donc bon bah là ça va, ça a l'air d'aller, hein, mois de juillet, tranquillou. C'est quand même 38 degrés à l'ombre en ce moment, c'est un peu la canicule. Malgré tout, le feuillage a l'air d'aller pas trop mal, donc on peut voir qu'il n'a pas grillé beaucoup, il y a des petites taches, tout ça quoi, mais sinon ça va. La pousse n'a pas été énorme, surtout que je l'ai pincé, à mon avis j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, sinon ça va quoi, il se porte bien. Temps de voir la suite pour lui. Donc c'est assez chouette. Et on avait mis de la sphaigne pour éviter trop d'évaporation au niveau du substrat. Et finalement c'est pas trop mal quoi. J'aurais peut-être dû l'enlever. Mais vu les chaleurs un petit peu exceptionnelles qu'il fait en ce moment, l'évaporation que ça provoque, je préfère le laisser quoi. Même si j'ai l'arrosage automatique dans la journée qui permet d'assurer le coup quand je suis au travail quoi. Mais donc voilà quoi. Substrat c'est Fuzo Akadama et de la sphaigne dessus. Voilà. Le tronc à chouette. Sinon il évolue doucement. Il y a une grosse coupe là qui est en train de se refermer. Donc elle avait été faite il y a 2 ans, une grosse branche qui avait été enlevée, donc elle n'était pas tout à fait refermée là au début d'année, mais là ça y est, visiblement c'est fini quoi. Il n'y a plus qu'un petit truc au milieu et puis une fois qu'il sera recollé, finish. Pour la variété, je crois que c'est un Seguin, mais je suis pas sûr. Le feuillage est assez chouette aussi, il sort un peu rose au début du printemps quoi, et je fasse gaffe aux parasites.